Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous possédez une imprimante DTF, vous vous demandez sûrement comment réaliser la couche de blanc qui vous permettra d'imprimer vos visuels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la créer simplement et rapidement. C'est parti! Tout d'abord, ouvrez votre fichier dans Photoshop en CMJN. Attention, votre fichier doit avoir un fond transparent. S'il ne l'est pas, vous pouvez le faire grâce à la gomme magique directement sur Photoshop. Allez maintenant dans l'onglet Calque, ici à droite, et faites un clic droit dans la vignette. Ensuite, cliquez sur Sélectionner des pixels. Vous voyez maintenant que votre visuel est sélectionné entièrement. Allez donc dans le menu Sélection, en haut à gauche, et cliquez sur Modifier, puis Contracter. Il va falloir maintenant créer une couche, donc pour cela, allez dans l'onglet Couche, puis cliquez sur Nouvelle couche de ton direct. Le nom de cette couche doit absolument être W1, peu importe la couleur, car c'est ce qui permettra à la machine de reconnaître la couche de blanc. Vous obtenez ainsi la couche de ton direct de la sous-couche de blanc. Et voilà, votre couche de blanc a été créée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook pour suivre toutes nos actualités. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux Créatutos.